dans cela. Et pour cela, nous sommes en train de pouvoir tout donner pour que la société civile soit suffisamment forte pour pouvoir contribuer à la construction, et là c'est important, d'une opinion publique africaine capable d'influer sur les politiques publiques. Il ne faudrait pas que la société civile se trompe. La société civile n'est pas zéro. Ce n'est pas à elle de régler tous les problèmes. Il est un acteur comme tous les autres. Il est avec les autres. Par conséquent, il faut que nous gardions notre humilité, à savoir que nous devons apprendre aussi des autres. Et regarder en face ceux qui sont devant nous, notamment les gouvernements. Nous ne sommes pas exemple de tout le poche. La gouvernance doit commencer par nous-mêmes. Je crois qu'il nous faut aussi avoir cette démarche introspective pour que nos organisations soient aussi bien gouvernées. Je crois que cela aussi est important, c'est le message que je voulais donner aujourd'hui. Au regard de tout ce que nous avons partagé ensemble sur les différentes expériences africaines d'évaluation de la gouvernance, regardons également par nous-mêmes quelle est la gouvernance de nos organisations. Cela aussi est important. Nous devons être dans des positions de redevabilité. Et je crois qu'il nous faut travailler pour renforcer la crédibilité de la société civile, pour pouvoir regarder en face, non pas les gouvernants en opposant, mais en partenaire, pour le seul bénéfice de nos populations. Collons-nous à nos populations et à nos préoccupations sans avoir la prétention d'être les représentants, mais de leur permettre eux-mêmes, elles-mêmes, de dire ce qu'ils veulent et de faire le gouvernement. Je vous remercie et vous souhaite un bon retour dans vos pays et dans vos organisations. Merci.